de problèmes sur nos joueurs. On est le premier jour du mercato, hein, donc va y avoir des choses qui vont se passer. Tac, tac. Moi, je vais essayer de continuer à vendre certains joueurs. On le sait qu'on a envie de vendre, nous. On est très très vendeur. Centre d'apprentissage, on a qui? Voyons voir. En équipe réserve, Eva Ngala. Si on peut le faire partir, on va essayer. Lui. Promesse, c'est quoi la promesse? Ouais, prêter le joueur, mais en fait, on va pas le prêter, on va le vendre. Là, le but, ça va être de dégraisser au maximum, hein, clairement. Ngota, 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 Ngota. Lui, il s'arrête bientôt. Je vais peut-être lui proposer un nouveau contrat. Et on l'enverra en prêt. 2K, ouais, 2. Mais par contre, tu vas rester 4 ans. 5 ans même. C'est bien, 5 ans. Donc, c'est une belle augmentation, mais tu restes 5 ans. Non, t'as pas compris, c'est 5 ans. Ok. T'as pas compris, je crois. Voilà. Si tu veux rester que 2 ans, tu vas pas gagner. Tu vas perdre 300 balles par mois. Lui. Attendez, Ratmao. Est-ce qu'il reste. Il reste pas beaucoup à son contrat. On va d'abord voir avec son agent. Entre 1,8 et 2,4. Ok. Et bah écoute, on va aller voir pour offrir un contrat. En fait, c'est pour ça qu'il veut pas réduire lui, c'est parce qu'il veut pas de. Parce que ça lui fait trop baisser sa commission d'agent, c'est pour ça que lui, ça l'arrange pas du tout. Voilà, 1,7. C'est pour ça que ça l'arrangeait pas du tout qu'on veuille pas de son mec. Alors, la vue d'ensemble, hop là. Non, potentiel. Matros, c'est fait. Salengue. Salengue, est-ce qu'on l'a déjà proposé au club? Je crois que oui, mais on va le refaire au cas où. Théoa, il est indisponible parce qu'il est avec nous. Lui, Mozart, ouais, on vient de le faire. Allez. Allez, on est en B-. On est dans le cœur des supporters, par contre, avec le A-, ça c'est bien. Hop. Allez, on est reparti. Un petit peu de championnat, ça va nous faire du bien, hein, parce que là, les matchs amicaux, c'est mignon, mais ça fait pas le taf. Un nouveau record de victoires consécutives. Oh. D'accord, le record il était à 7, on est à 7 aussi, donc ça veut dire qu'on pourrait faire 8 victoires consécutives d'affilée, ça serait pas mal du tout en vrai. Quoi? Période d'essai? Oh, vas-y, acceptez. Une offre de contrat pour Chambu. Qui veut pas renouveler avec nous. Ah, il va vraiment nous falloir un ailier droit, hein. Enfin un arrière droit, pardon. On en a clairement besoin. De préférence, bien évidemment, il nous en faudrait un qui soit au-dessus du lot, quoi. Alors.
Je sais pas. Ressources limitées, ouais, bah c'est cool. Vous semblez très surpris par le niveau de jeu actuel. Non, il n'y a pas de condescendance là-dedans. Ouais, on est bien. Craignez-vous qu'un mauvais résultat puisse dégrader? Non, clairement pas. Étant donné l'influence qu'avait Erasmus au sein du vestiaire, non, non, non. C'était la bonne décision, c'est à nous de bien gérer. Quelle est l'importance d'un joueur aux caractéristiques physiques comme Vincent Pull? Ah bah, il est bien Pull, hein. Dès qu'il est dans le rythme, tout le monde joue mieux. Hein. Laure est un chouchou, clairement. Il mérite. Vas-y, à chaque fois, je sais pas pourquoi ils essayent absolument de descendre ton adversaire dans les conférences de presse. C'est assez relou. Parce que t'es pas là pour enfoncer ton confrère et il te demande vraiment de le tuer presque. Ok, team, légèrement blessé, 1 à 3 jours, forcément, veille de match, sinon c'est pas drôle. Ça par contre, les micro-blessures à chaque fois dans FM, c'est toujours la veille de match. Toujours veille de match, ton joueur il va prendre 1 à 3 jours de petites blessures, tu sais pas pourquoi, ou ce genre de trucs. C'est vraiment relou. Allez, on veut jouer. Ok, Xoki pourrait. Il nous reste combien? Ah, 6 mois pour Xoki? Pop, pop, pop. Monsieur Xoki. Voyons voir avec l'agent. 11K. C'est beaucoup. Il est à 8 actuellement, il demande 11. Remporter une compétition nationale, ouais. On va essayer de baisser un peu tout ça. Ok. Et ben voilà, 13K. C'est énorme, hein, mais hein, c'est pas grave. Xoki, vu ce qu'il nous met, c'est quand même pas dégueulasse. Ok. Il y a trop de joueurs. Magopa, oh là là, non, Magopa, on peut pas. On peut pas se prendre le risque de le perdre avant la fin de la saison, c'est pas possible. Hop, ça par contre on va enlever. Il monte énormément de trucs. Il monte beaucoup trop. Putain, on s'en sort de justesse, hein. Oh, on s'en sort vraiment de justesse. Alors, mise à jour des recherches. Ok. Ouais, ok. Allez, let's go pour affronter Shippa. Alors, voyons voir. Ah tiens, Goodman est un peu fatigué. De toute façon, c'est quoi cette équipe là? Vas-y, c'est pas du tout dans l'ordre défenseur. Là, il me faudrait mon arrière-gauche. C'est quoi? C'est Mako, mon arrière-gauche. Hop, on va le mettre à la place de Pepra. Du coup, là, normalement... Je suis censé avoir mes deux milieux. Mes deux milieux dans l'ordre correct. Donc, c'est-à-dire mon meneur de jeu en retrait, donc Makaringe, et mon box-to-box team. Ok. L'ami. Le MO. Tac. Et le buteur ici. Voilà. Là, on est mieux. Là, c'est plus intelligent déjà. Toi, tu retournes en équipe réserve. Et on sera content.
Voilà. Ok. Ouais, il est fatigué, mais c'est pas grave. Et continuer sur le lancer du dernier match. Let's go! Alors, mon classement, s'il vous plaît. Oh, il me l'a pas mis. Allez, l'or. Mausolée. Monaré. Ah, c'est mal joué, ça. C'est très mal joué. Allez, Otto, 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 le poteau de Otto. Il n'y avait plus qu'à la mettre au fond là normalement. Allez, Maela. Otto. Xoki. C'est pas possible ça. Auto. Ouais, mon arrêt. Auto. Encore auto, le centre pour Pull. Et le but de Vincent Pull. C'est nickel tout ça. Le petit 1-0 qui va bien contre Chipa au bout de 4 minutes de jeu. Alors par contre, je veux mon classement ici, s'il vous plaît. Merci, non mais oh. Et là, je veux mon Alors, je veux mon visu. Où est-ce qu'il est? Ah, mes visuels, visualisateurs. Voilà. Mais non, c'est la heatmap. Ou alors les matchs en cours, c'est bien aussi les matchs en cours. Allez. Monaré devant pour Magopa qui va pas y aller finalement. Laure qui va intercepter ce ballon. Oh, et le but contre son camp de Pietersen. C'était un centre retrait à la base et ça a fini dans les filets. Alors qu'un Stracy sauvage est apparu dans le chat pour ceux et celles qui le désirent. Moi, je vais essayer de l'attraper. Allez, 2-0, on est bien, on va les féliciter. C'est plutôt tranquille, hein, là, on est bien. Allez, Ozele, Laure, Ozele. Ouh, Magopa, attention, c'est bien trouvé comme ballon. Il repasse par derrière pour Vincent Pull, au-dessus. Au-dessus, malheureusement. Ok, l'or, Chandu, l'or, Chandu, Ntewa, Mosele, Chandu, l'or à nouveau. Ça tourne ce ballon, ça tourne. Loin devant pour Evidence Magopa, qui va pas y arriver. Il n'a pas encore mis son but aujourd'hui. Allez, l'or. Allez, Otto va récupérer le ballon. Monaré. Ah, le Stracis est échappé dans le chat, malheureusement. Personne ne l'a attrapé. Ok, l'or. L'or. Le centre à venir peut-être de l'or. Non. Si, ça y est, c'est fait. Monaré, la tête s'est dégagée. Otto. Ça repasse derrière. Maela. Otto à nouveau. Monaré. Maela. Ça triangule bien la zone. Monaré. L'or. Allez, on écarte là sur Chandu. Chandu le centre normalement pour Pull. Et le but.
Quel but magnifique! Construction superbe, Monaré pour Mosley, et ça tourne, Laure qui va mettre Achendu. Ils étaient trois dans la surface pour réceptionner ce ballon. Et c'est Vincent Pulle qui va la mettre. C'est nickel. Et toi là. Qui intercède. Chandu. Maëla. Laure. Accélération de Laure sur le côté droit du terrain. Il a toujours le ballon. C'est nickel qu'il est en train de me faire. C'est cool. Chandu. Mauvais. Va tenter ta chance peut-être. Ouh le poteau. C'est dommage. Extérieur pied droit. Il l'a tenté. Allez, Maëla. C'est Pulle qui va récupérer ce ballon. Otto. Monaré. Oh là 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 là. Mais quelle frappe enroulée de Monaré. Alors que là, on est clairement archi dominateur sur le terrain. Il n'y a rien à dire. Attention à Dickens qui esquive le tacle. Dickens. Ah, il a voulu y aller tout seul. Il a voulu y aller tout seul. C'est tant pis pour lui. Exoki. Maela. Otto. Maela. Xoki. Tewa. Mauvais. Monaré. Pulle. Otto. Otto. Encore une fois. Qui va avancer. Ah. Magopa. Il va pas y arriver à mettre son but aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est la mi-temps. On tire souvent au but, c'est bien. Faut continuer comme ça. Et on va les féliciter à nouveau. On va faire des changements qui s'imposent. Ok, peut-être se faire sortir un peu Magopa. Tant pis, il n'a pas réussi à marquer, mais il y aura des matchs comme ça où il ne marquera pas. Ah, alors que Xoki, ça y est, fatigué. Tous les changements ont été faits là. Maintenant, 70e minute, les 5 changements. Dubé. Sibissi. Non, c'est intercepté. Tim. Maela. Auto, Pulle. Allez. Pulle qui va réussir à passer son ballon pour Tim. Ah, c'est dégagé. C'est dommage. On aurait pu, hein, on aurait pu réussir, mais non, malheureusement. Alors qu'on voit certains auraient préféré rester sur le banc plutôt que jouer aujourd'hui, c'est hallucinant. Voilà, ça va se finir sûrement sur ce score de 3-0. Ça bouge pas beaucoup. Ouais, allez, 3-0 pour ce petit match tranquille de reprise du championnat, c'est bien. Belle victoire. Gérer tranquillement. Le Magopa qui marque pas. Ça, c'est un peu plus rare déjà. Grande difficulté. Enfin, grande solidité défensive, pardon. Le doublé de Vincent Pulle. Et ça, c'est beau.
Tu as pas envie d'y aller. Alors, voyons voir. Ouais, c'est vrai qu'à la place de Chandu, il me faudrait quelqu'un. Concrètement. Ah, il y en a quand même 4 déjà en cours. C'est intéressant ça en vrai. Pour les jeunes. Est-ce que ça serait des joueurs? Ouais, ce serait des joueurs potentiellement intéressants en plus. Non, on verra. On va créer une nouvelle recherche ciblée. Pour les postes de la tactique. Non. Pour le poste d'arrière droit. Et on aimerait ouais, minimum ça. Pas plus que 27 ans, je pense. Domaine touche. Ok, latéral offensif comme pour la tactique. Puis on va voir hein, s'ils arrivent à nous trouver quelqu'un. Et sinon, dans le réseau, modifier la recherche. Est-ce qu'il y a des joueurs listés? Ah, il y a des joueurs listés. Mais ça, c'est un arrière gauche, c'est pas un arrière droit. Si je les trie par salaire. Ouais, ça va pas l'air fou fou non plus, hein. Clairement, ça va pas l'air fou fou tout ça. Mais il est sérieux, mon adjoint, à dire qu'il préfère Vincent Pulle à Thomas Müller? Il connaît la différence entre les deux ou... Oh, oh qu'est-ce qu'il faut pas lire comme conneries des fois? C'est fou. C'est fou. Ouais, nouveau record d'invincibilité, du coup, ça c'est top. Justement, je l'ai signé. Je l'ai signé pour la saison prochaine, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'ai signé gratuitement pour la saison prochaine. Alors, voyons voir si Soudan va réussir à se débarrasser de Cape Town. Et si oui. Ah, bon, si oui, ça change pas, il y aura toujours 4 points, mais bon. J'aimerais bien que Cape Town réussisse. Trouve le PC un peu long, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais entre les jours, ça va très lentement. Alors, du coup, bah, Soudan s'est imposé. Malheureusement pour nous, bon, c'est pas grave. 4 points toujours. On est bien placé en vrai. Qu'est-ce qu'il veut lui? Rejoindre un plus grand club, même mec, on est leader du championnat. Et tu sais quoi? Si on a une offre, on l'étudiera. Mais je vais pas chercher à te vendre très clairement. Ce genre de joueur, quoi. Oui, on est premier. Je veux rejoindre un plus gros club. Mec, on est premier. Est-ce qu'on peut pas réussir à le vendre? Mais voilà. Parfait.
plutôt qu'ils partent gratuitement, on réussit à le vendre, à en retirer 3K. Alors, où j'en suis dans mon Poképass, tiens d'ailleurs. Je parle toujours que au premier. Je sais qu'ils en mettent 3 dans le rapport, mais à chaque fois, je parle toujours au premier de chaque. Je trouve que c'est un peu plus déterminant pour les autres. Je sais pas en vrai si c'est vraiment oufissime, mais bon. Transfert conclu. Pour combien? M'a pas proposé de le vendre directement. Ah non, c'est parce qu'il est en prêt. Forcément, s'il est en prêt, je peux pas le vendre directement, par contre. C'est dommage. Alors, Pepra, est-ce que ça progresse un peu, Pepra? Dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça, hein. Malgo, pas de nouveau contrat. Ah oui, lui, c'est pour la saison. C'est pour la saison prochaine. Ok. Je me disais, c'est quoi tous ces joueurs qui me sortent un peu de nulle part? Mais non, non, c'est tous les joueurs de la saison prochaine en fait. Alors, mise à jour des recherches ciblées, un résultat proche, quatre résultats proches. Wow, une recommandation déjà. Qui est-ce qu'on me recommande? Ok, interroger l'agent. Il souhaiterait rejoindre, ça c'est bien. Ça coûte cher par contre. Hein. Faire une offre. On a combien de budget de transfert déjà? Ah mais là ils vont nous demander 450, allez on va dire, on va essayer 400. Ils demandent cher. Ok, 450. 450 et j'enlève ça. Voilà. Ok, ça c'est bon. J'avoue que si je peux le récupérer, on prend hein, parce que... Ça va être nécessaire à ce niveau-là de d'avoir un arrière-droit, surtout un arrière-droit convenable. Alors. Qui est débuté les négociations. Joueur de rotation, en plus il demande, c'est parfait. Je peux pas descendre plus bas. Ok, si je fais ça, nickel. Bah voilà. On va finaliser l'accord. Non, on va pas le prêter. Par contre, on va le prendre directement avec nous. Alors,
Ah, il y avait un Zarbi dans le chat, mais c'est vrai que Zarbi, on s'en fout un peu. Moi, je l'avais déjà, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Allez, tirer toutes les équipes de la coupe, on affrontera le Maritzburg United. Voilà. Ok, ça s'est décalé, normal. Programme d'entraînement, tac, deux matchs. Alors, plus une faiblesse, ok. Hop. Ça, on va nous le conseiller, on va le faire, ok. Conférence de presse. J'ai pas envie de faire une conférence de presse aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En fait, je crois que c'est à force du fait que ce soit toujours la même chose, vous savez, c'est. C'est juste chiant, en fait. Ah zut, faire sans pub, c'est bon, 1 à 3 jours, mais bon, comme par hasard, quoi. Intéressant. Défenseur, ah, bien sûr, la compensation zéro. Ah ouais, mais le salaire par mois, il est juste monstrueux. Si je vais voir un joueur comme ça et que je lui propose un contrat, il va me dire quoi? Ah bah oui, non, c'est sûr, on n'a pas les moyens d'accéder à tes demandes, mec. C'est sûr. Je pense qu'on va juste se faire le mois de janvier aujourd'hui et puis on s'arrêtera. On va pas faire beaucoup plus. Allez, Johannes qui va arriver, ça c'est cool. Ouais, s'il arrive à être dispo pile avant le match, ça serait fou. Oh, recrutement record. Ouais, parce que c'est le. Ça doit être le joueur le plus cher de l'histoire du club. Attends, mes latéraux, je les ai mis en quoi déjà? Un soutien. Il y a des trucs qui se passent sur l'autre écran en même temps, je suis perdu. Allez, arrière latéraux de soutien. Enregistrement de l'effectif, bien sûr. Johannes, tu viens là. Allez, ça va être cool. Alors, recherche terminée. Ok. Bon, écoutez, je pense que notre recherche, l'air de rien, elle nous a été utile. Tactique, du coup. Moyané, on va pouvoir le faire reculer. Parce que ça va être Johannes qui va venir là. Ouais, pour l'instant, il est moins bon, mais bon, rien de très grave. Oda. Honda qui va enfin pouvoir reprendre l'entraînement. Bon,
Sans plus les blesser, je mets Ndolo. Ndolo, il est devenu tellement fort aussi, lui. C'est un peu abusé. Allez, let's go. Alors, Johannes qui a besoin d'un numéro de maillot, on va lui mettre le 12. Et c'est y part. Quand ça veut bien. Enfin, si ça veut bien, je devrais dire plutôt. Bim-bam-bim-boum. Ah, c'est long. Ah, c'est long. Ah, le bruit du match. Rien de tel que le bruit du match. Allez, on va ignorer ça. C'est reparti. Voilà, je l'ai fait en mode automatique, la conférence de presse, j'ai même pas lu. Allez, un petit soutien. Royal Aim, qui sont 11e hein, du championnat. C'est un petit peu au-dessus de Chipa, mais même pas tant que ça. Donc normalement, ça devrait pas nous poser de problème. Alors qu'Ndolo est déjà blessé. On veut lui faire plaisir en le mettant un peu titulaire. Et il se fait blesser au bout de 5 secondes de jeu, quoi. Mais c'est de l'abus! C'est de l'abus! Au secours, quoi. Mais au secours, c'est pas possible. Oh, ça me saoule. Allez, on va récupérer ce ballon justement. Chandu, Mosellé. Chandu à nouveau pour l'or. Mosellé qui va lancer. Chandu qui a bien pris le couloir pour Magopa. Et le but d'évidence, Magopa. Il n'avait pas encore marqué dans cette vidéo. Ça y est, c'est fait. Ça y est. 9e minute de jeu, bon il a intérêt à en mettre encore un hein, parce que il a une moyenne d'un but par match, mais vu qu'il n'a pas marqué à celui d'avant, il va falloir qu'il se rattrape là. On marque dès le premier tir cadré, ça c'est cool. Et Soudan qui est en train de faire match nul. Il joue en même temps que nous. C'est bien, il faut qu'on fasse la différence là-dessus, il faut qu'on fasse la pression. Allez, Mosellé, l'or. Le centre pour Magopa et le deuxième but de Magopa, évidemment. Évidemment qu'il va mettre son deuxième but, Magopa. Allez, on va les féliciter, c'est parfait. Ah voilà, je préférais vous éviter ça. Pour le bien-être de vos oreilles. Allez, l'or. C'est dégagé. Pull, l'or à nouveau. Deuxième match, deuxième but contre son camp. Nos adversaires, décidément, qui sont extrêmement gentils avec nous aujourd'hui. Je pensais que c'était Otto qui l'avait dévié, mais pas du tout. C'est un but contre son camp du pauvre Rigozzo. Allez, l'or. Oh, penalty? Penalty! Penalty! Et ça veut dire que c'est Magopa qui va le tirer. C'est nickel, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, soyons fous.
On a l'air d'être capable d'en mettre 60 si on veut. Allez, Maëla, Otto. Ah, il se fait prendre le ballon, Otto. Attention! Ouh, ça finira sur le poteau. Heureusement pour nous. Bon, allez, mi-temps 4-0, triplé de Magopa qui était agacé de s'être fait remplacer au match d'avant. C'était un peu le but, on voulait le piquer un peu au vif comme ça. Bah, c'est fait, écoutez, tant mieux pour nous. Ouais, 4-0, c'est beau. 4-0, c'est très très beau même. Soudan, qui est aussi en train de gagner son match. Après, tant qu'on gagne, en vérité, on les laisse à 4 points derrière. Peu importe, hein, là-dessus. Bon. Il ne se passe rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. 60e minute, on va peut-être faire des petits changements. Voilà, si le jeu veut bien me mettre en pause. J'ai appuyé à la 60e et ça a mis en pause à la 66e. Tout va bien. Alors, voyons voir. Chandu va laisser sa place. Tewa va laisser sa place également. Et après, pour les autres, on va attendre un petit peu. On est encore bien, donc on va attendre. Allez, c'est reparti. Alors qu'un cas d'oiseau sauvage est apparu dans le chat, n'hésitez pas à essayer de le capturer, bien évidemment. Petit Pokécatch pour choper les Pokémon. Allez, 77e, on va les féliciter. Mais on va surtout faire les derniers changements. Est-ce que je vais faire jouer? Ouais, je vais faire jouer Mako un petit peu qui a besoin de récupérer du rythme. Et Magopa, on va le préserver au cas où. Exoki qui est en train de faire le tour, justement. Monaré. Ouh, ça a voulu lancer une dernière. Ça a voulu lancer une dernière balle pour notre petit Magopa, ça j'ai vu. Allez, Johannes. CBC. Xoki. Maela. Allez, pull. Ouh, ça arrivera pas jusqu'alors. Il va quand même le récupérer. Et Magopa qui met son quatrième but juste avant de sortir. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir là-dessus. Bien joué. Alors que tiens, j'ai attrapé le cas d'oiseau dans le chat. Ah, c'est beau. Bah oui, on valide les changements quand même, évidemment. C'est magnifique. Que demande le peuple? Cinq zéro.
Oh, on est bien là, je pense. On est très très bien. Allez, vestiaire. Je suis content que la tactique fonctionne aussi bien avec cette équipe. Pour ceux qui suivent sur... Attends, attends. Vous enchaînez bon résultat. Ah oui, on a... Excellent. Oh, j'ai loqué. Ouais, tout à fait mérité. La prestation... Ouais, il mérite d'être bien placé, c'est normal. Ouais, bah pour ceux qui suivent sur YouTube la carrière, vous avez bien vu hein, avec Bukavina. Bon, je vais pas spoiler ce qui se passe dans la vidéo d'aujourd'hui, mais sincèrement, la tactique fait des miracles. Oh, Ndolo, 4 à 5 semaines. Mais pourtant, c'est pas du tout la même tactique, quoi. 4 buts pour Mangopa. Très, très, très grand joueur, Mangopa. Je vais pas faire la conférence de presse. Et des joueurs retirés de la sélection, ça c'est pas très grave. Magopa a tous les records devant le but. Ah ouais, c'était lui le meilleur buteur avec 3, mais là maintenant avec 4, c'est encore mieux effectivement. Ah là là. Je ne sais pas jusqu'à où on va pouvoir aller avec cette carrière. J'y réfléchis toujours hein, par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on va faire, ce que ça va donner. Si le jeu est prévu en fait pour faire ce challenge ou pas, ou il faut. Parce que j'ai pas mis de mode en fait. J'aurais peut-être dû. Allez, un nouveau kiné pour nous. Moyane qui s'entraîne, c'est bien. Après, James Moyane, ouais. Est-ce que je le garderai pas? Ouais, je pense que je vais lui proposer un... On va demander à l'agent. Ok, merci. On va lui proposer un nouveau contrat de joueur secondaire. L'agent, on va pas trop le diminuer, comme ça il va juste dire à son client, vas-y, signe. Oh le bâtard. Ok, 6,5. Après 6,5K, c'est pas mal pour lui, hein, pour un joueur qui va surtout être sur le banc. Allez, petit chrono, défile, défile. Euphorie incroyable. Euphorie, vraiment un joueur incroyable.
Des petits résultats qui commencent à se faire pour l'équipe de jeunes, donc ça c'est cool aussi. Et hop, c'est bon. Il a le choix encore une fois, hein. J'ai pas trop envie. Ça me saoule. Allez, super sport, par contre, va falloir les fumer. Ok, toi, tu ne t'intéresses plus à... Pardon. Hop. Ouh, toi, t'es intéressant. Ouais, pas mal. Allez, continue. Super sport, le rival. Alors après, il dit c'est le rival, mais en vérité, c'est quand même vachement moins que si c'était Kaiser Chief, quoi. Bon, Soudan, c'est toujours à 4 points. Kaiser Chief est à 8 points. Enfin, ils sont à 8 points avec un match d'avance. Ok. Allez, c'est parti pour la rencontre. Ouais, sélection d'équipe. Le jeu est lent aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, Pull à la place d'Ndolo qui est blessé. Enda va pouvoir revenir prendre sa place. MTOA. Et après, je vais mettre Monian parce que pour l'instant, j'ai pas d'ailier droit. MTOA, il est là. C'est qui normalement? La mini-team. Ouais, ça juste, j'en ai plus. C'est pas grave, Monian, il va monter d'un cran, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire plaisir aussi. Allez, passer au match. Allez, on n'est pas favori pour rien, les gars, même si c'est super sport en face. Tant qu'on marque, on est bien. C'est quoi ce bouton? Ah, on peut simuler le match, même une fois commencé. D'accord, ça, je savais pas, tu vois.
Alors, Royal AM qui a pas de chance parce qu'après être tombé sur nous, ils affrontent Soudons juste après. Pour la confiance, ça va pas être le mieux quand même, les gars. Monare qui est déjà blessé, par contre ça c'est pas cool. Ding ding. Monare, hop là on va mettre Tim. On va pas le laisser en souffrance. Allez, encourager. Phillips. Ok, Otto. Otto qui progresse sur le côté. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Le joueur, il est droit pour l'or, l'or, l'or. Qui va centrer peut-être? Non, il retourne arrière. Le centre pour Magopa. Et son 21e but de la saison. L'or toujours aussi incroyable dans ses passes décisives. Magopa, bim bam boum, on n'en parle plus. Allez, c'est beau. C'est très très beau ça. En plus, Royal AM était en train de mener. Bon, plus c'est plus le cas maintenant. Ils étaient en train de mener contre nos poursuivants de Soudons. Ça aurait été bien. Après, match nul, on prend aussi. Je doute que ça reste un match nul très très longtemps avec Soudons, mais bon. Allez, voilà. Swan qui a mis le 2-1. Un écrapince. Auto. Ouh. Oh, ça fait mal. Ah, ça a fait mal cette contre-attaque, elle a été monstrueuse. Otto là, qui centre fort devant la cage. Magopa n'a pas le temps, mais Laure qui est derrière lui va mettre le pied. Ça fait ce qu'il faut. Ça fait le 2-0. Ah, c'est propre. C'est très très propre le 2-0. Nickel. Bon, on est assez tranquille, hein, n'empêche. On a de l'avance au classement. On conserve les 4 points, on avance tranquillement dans le championnat et même nos rivaux qui nous avaient posé des petits soucis en début de championnat, là maintenant ne nous en causent plus aucun. Et allez, moi j'ai chopé les crapins dans le chat. Ça, combien tu aimes? 66e? Ouais. 67, on va faire une petite pause. Chandu, au revoir. Mamet, CBC.
Allez. Confirmer remplacement. Let's go pour la suite. Laure, loin devant. Allez, Johannes, Laure. Pour Pull. Pull, le centre fort pour McGopin. Oh, hors-jeu! Ah, j'y aurais pas cru, hors-jeu là pour le coup. Ça me semblait donner dans le bon tempo dans la course. Mais bon, qui sommes-nous pour critiquer les arbitres? Plus faire de remplacement. Allez, on est reparti. Ah, ça revient au score déjà. 2-1, attention, le match n'est pas terminé, il faudrait pas se faire surprendre. Allez, 85e minute maintenant. Attention bien évidemment à cette fin de partie. C'est fini là, monsieur l'arbitre, faut siffler maintenant. Ok, nickel. Belle victoire, bien jouée. Ça enchaîne hein, pour l'instant, tranquillement. Magopa toujours aussi fort, lui. Hop. Alors, Monard est blessé. Bon, 1-3 jours, ça devrait aller. Magopa bien parti pour toucher sa prime, effectivement. Et on a encore terminé premier d'une phase. J'ai du mal à comprendre quand est-ce que s'arrête la première, la seconde phase, etc. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on les gagne, où est le problème? Alors, Laure. Bravo. Ah, bravo, bravo, mon Laure. Toi, t'es superbe. En plus, c'est même pas comme s'il y avait genre une coupure ou quoi, hein, parce que le prochain match, il est pas tout de suite. Enfin, si, il est tout de suite, il est dans une semaine, quoi. Il n'y a pas de grosse coupure. Donc, je sais pas du tout comment il le calcule. Le temps entre les jours est très très compliqué aujourd'hui, je trouve. Hey, Xoki, on va le féliciter pour l'entraînement.
Allez. Ok, lui il part à Royal AM, pourquoi pas. Alors, Nkota. Magopa qui progresse. C'est bien parce que tout le monde progresse un peu quand même. Recherche terminée. Ok, il n'y a pas beaucoup de trucs foufou non plus. Ok, mais alors des blessures, on en est où? Ouais, de l'autre façon, il va être blessé encore longtemps. bon, dernière journée des transferts, on va rien acheter, hein, donc passer au statut des joueurs, recommandation, terminer réunion. Voilà, comme ça au moins, ça a été fait. Ils pourront pas nous dire qu'on n'a pas participé à la réunion, même si elle était un peu sans intérêt. Alors, la conférence de presse. Voyons voir. Bonne série de 7 matchs, 5e actuellement. Ouais, bah écoutez, on va voir ce qu'on va réussir à faire nous. Votre équipe a fait une très bonne impression. On sait ce qu'on est capable de faire. Mauvaise forme, voilà. Pensez-vous que le bon état d'esprit. Oui, c'est cool. Quel est votre secret, notre style de jeu convient tout simplement. Ouais, on va pas tout vous dévoiler non plus, les gars. Entretenez, je le connais pas. Quel rapport j'entretiens avec cet entraîneur-là? La réponse est je ne sais pas, je ne le connais pas. Du coup, je vous dirai aucun. Ok, ça c'est fait et ça c'est fait. Ok. Rafa signe au PSG. Waouh. Je pense que je vais m'arrêter après le Stellenbosch. Je sais que j'ai fait que ça sera moins long que d'habitude là, mais un peu la flemme, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Il y a la demi en plus juste après. J'aimerais avoir fait à manger et tout avant. Allez. Ce qui est marrant, c'est que le TS Galaxy aussi nous avait posé des soucis, mais finalement. Eva, Inga, un prêt. Ouais, de toute façon.
Vas-y, accepté, je m'en fiche. De toute façon, il reste 6 mois à faire chez nous. On va pas l'utiliser le book, donc autant qu'il aille se faire plaisir, essayer d'avoir du temps de jeu pour qu'une équipe le remarque. Alors, est-ce que... Non, Soudans ne joue pas aujourd'hui. Ah, ils ont déjà joué. Ils ont déjà joué, à ce que je vois, ils ont fait match nul. C'est bien pour nous, ça, dites-moi. Alors, hop, truc que j'ai oublié de faire, c'est mettre Moyané dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, ailier attaque, voilà. Le mettre dans de meilleures conditions. Tout le monde est en forme, tout le monde est OK. Il me manque Ndo, mais il est blessé, donc c'est logique. Pepra, Dalmi, Mentewa, Newman. OK! Allez, let's passer au match. Allez, le vestiaire. Allez, bonne série. Je veux un gros match aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, coup d'envoi. Et c'est parti, mon kiki, comme on dit. Bon, on a intérêt à gagner, hein, parce qu'on voit, Soudan a fait match nul. Du coup, il est clair que nous, on cherche un peu plus, alors qu'un tout à fait vient d'apparaître dans le chat. N'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la capture au Pokémon, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch un petit peu, mettez un petit follow et comme ça vous pourrez venir capturer des Pokémon avec nous durant les lives de Football Manager, de Pokémon ou même de Formule 1 Manager. Attention quand même, ne pas se faire avoir. Voilà, Euphorie qui va dégager le ballon loin devant, sauf que si c'est Otto qui te la donne, il est pas là-bas pour la récupérer, mon gars. Ouh, attention! Et l'ouverture du score à la surprise générale, c'est Stellenbosch qui va la faire. Ouh là là. On n'est pas bien là. En demander plus. Ok, Xoki. Mosele. Pull. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là, ce début de match? C'est n'importe quoi. Voilà, l'or pour Magopa, et non. Et bah non, Magopa, il va pas la mettre. C'est une catastrophe industrielle. Ils ont marqué sur leur seul tir du match. Un tir, un but, ça a été clinique. Hein. Non, j'ai raté le tout à fait. Ouf! Voici la seconde frappe, elle était belle. Hein. Oh vache. C'est à rentrer, c'était magnifique. Ils ont pas la balle en face, ils voient pas le jour. 32% de possession de balle. Et pourtant, c'est que leur action qu'on voit. Allez, Enda. Moselle, Chandu. Laure. Moselle, Monaré. Xoki. Maela, Monaré. Alors, Otto. Oh, le triangle encore une fois qui fonctionne. Et Otto qui va y aller tout seul. Otto qui va y aller tout seul. Et qui marque son premier but de la saison seulement. Attends, il avait pas déjà marqué, Otto? Non, oh, c'est pas possible, je le crois pas. Non, il doit se tromper. Otto, il a forcément déjà marqué. J'ai un doute là. On ira voir après quand même, parce que j'ai un gros doute sur le fait qu'il ait jamais marqué Otto.
C'est pas mal aussi si je fais ça comme ça, bim, voilà. Eh, je l'aime bien cette vue-là. Ok, un partout à la mi-temps. Je suis pas satisfait en vrai. Hein. Magopa. Maela non plus. Oh, c'est moins étonnant, Maela. Toute façon, j'ai un problème avec les arrières gauches, je crois. Hein. Que ce soit sur YouTube ou ici sur Twitch, à chaque fois, il y a un problème. Pavliuk sur l'autre. Ouais, ça serait bien de réussir à passer devant. Un tir bloqué déjà. On voit les tirs non cadrés. Une énorme zone d'action et de domination là, mais il en faut plus, hein, il en faut plus pour percer la défense. Ok, Stephens. Ouais, j'ai commencé à penser qu'il allait plus avoir d'action du tout, mais bon. J'aimerais bien qu'elle soit pour nous, par contre, cette action. Voilà, Pull qui va récupérer le ballon. Laure qui va se projeter sur le côté droit. Voilà, c'est bien. Vas-y, va centrer, mon grand, va centrer. Le retour en arrière, Mausolée, Chandu. Oh, mais non, on repart tout derrière avec Enda. Mausolée, Chandu qui est passé. Mosley, va falloir centrer les gars. Monaré, la frappe de Monaré, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Allez, Mosley va sortir, il est claqué. On va mettre Makaringue. Chandu, on va mettre Johannes. Voyons voir. Maela est pas du tout dedans. On va mettre Mako. Et qui d'autre n'est pas dedans? Bah, Mako pas. Hein. Et je vais faire rentrer Pepra devant. Parce que là, c'est pas possible de jouer aussi mal. Ça devrait pas être autorisé. Allez, pour l'instant, toujours un partout. 70e minute. Il se passe rien. Allez, Xoki, sauve-nous, s'il te plaît. Tu l'as souvent fait. Oh, le coup franc de Xoki qui finit sur la barre. Non! Lui qui est d'habitude notre sauveur avec ses coups de pied arrêtés. Ah là 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 là, non, non. Allez, c'est pas grave. Il y a encore le temps un petit peu. Il reste 12 minutes dans le temps réglementaire. Il doit y avoir quoi? Peut-être 3, 4 minutes d'arrêt de jeu avec les remplacements. Allez, Laure va laisser sa place à Moyané et Monaré à Team. Ah non, j'ai déjà fait 5 changements. Hop là, nickel. Eh oui, on dit bonjour à Chouchoune. Chouchoune qui est très contente d'être là, visiblement. Ça fait longtemps que t'étais pas venu sur une vidéo, toi. D'habitude, on voit plus ta petite sœur, là, Bali. Ta petite jeune.
Bon, ça va se finir sur un match nul, hein, à ce rythme-là. Ouais, c'est dommage, on avait l'occasion de nous échapper un petit peu, mais ça sera pas le cas. C'est dommage. Surtout avec 1,52 d'expected goal, on aurait pu en mettre peut-être deux des buts. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On peut pas non plus gagner à tous les coups. Pas parler de prestations individuelles. Le but inscrit. Ah, c'était cool. Ah, par contre, le match nul, là, il nous arrange pas. Enfin, ok, on reste au même stade d'avant vidéo, mais bon, ça nous arrange vraiment pas quand même de voir ça. Allez, envoyer entraîneur adjoint. Oh, bah écoute, c'est cool hein, si mon adjoint obtient un poste pour lui d'entraîneur principal, c'est bien pour lui en vrai. Hein. Je vais pas me plaindre d'avoir un staff compétent. Alors, offre du Royal pour Denley, ouais. Ouais. Tiens, on va aller regarder du coup ce qu'a donné notre recherche rapide là pour les jeunes. Puis après on lancera peut-être une autre, mais sur une région un peu plus lointaine. Hop. Allez, le recrutement. Recherche ciblée terminée. Voilà, c'était celui-là. Qu'est-ce que ça a donné? Alors en recommandation, on a lui. Abraham Benadi. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on a mieux. Donc, non merci. Et. Alors, terminé toujours. Ok, il y en avait un qui était un résultat proche. Ouais, pas terrible, hein, quand même. Ok. On va créer du coup une nouvelle recherche ciblée. Là. Hop. Pour les moins les petits domaines alors prioritaires oui déjà et ensuite domaine on va faire Afrique australe voilà ok transférer prêt n'importe quel ok on verra si on trouve plus de jeunes de manière globale à essayer de rafler ça serait pas mal hein, de réussir à rafler un peu plus large. Ok. Bon allez, je vais vous abandonner. Moi, je vais aller faire à manger quand même un petit peu. Merci à tous ceux et celles qui regardent la vidéo encore à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était le coach Wiza. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine tout le monde.